Et voilà la cabane que mon ami Miguel a construit hier soir en 2-4-7. Avec pour matelas de la petite feuille de palmier. Et l'essentiel ici pour survivre quand même, avoir un minimum de repos, 2 secondes, une moustiquaire. Pour être 30 secondes à l'abri des moustiques. Et voilà, bien cool. De cet arbre. Bon, voilà, c'est. C'est gros? Voilà, c'est ya ta vie. Là, on vient d'essuyer un orage de ouf et je viens de découvrir ce paysage là qui est absolument juste extraordinaire. Et voilà, pendant qu'on a fait pendant qu'il y avait l'orage, en fait, on a été comme des guerriers, enfin surtout lui, moi moyen, mais un peu quand même. Et donc un méga orage de dingo, et on a construit ça pour pouvoir se mettre à l'abri cette nuit. Ça, c'est notre petite cabane de la nuit. Donc il y a des morceaux de bois. En fait, il y a 3 morceaux de bois pour faire comme un triangle qui sont attachés en haut, un morceau de bois en haut, et puis après on a fixé avec le bois qu'on a récupéré tout à l'heure dans lequel on a fait de la corde. Voilà, on les a fixés ici, et puis on a tranché des palmiers juste ici derrière pour pouvoir faire une petite couverture au cas où il repleuve, parce que c'est fort possible. Et là, les moustiques sont sortis, donc je sens que ça va être une nuit difficile parce qu'il a beaucoup plu. C'est un coin où il y a pas mal de moustiques. Voilà, après le décor il est hyper sympa. Je sais pas où on va faire le feu ce soir, si on le fait là ou si on le fait sur la plage. C'est quand même bien sympa, mais je suis quand même bien crevé, et puis ces saletés là qui viennent tout le temps me bouffer, c'est très très dur. Ça arrête jamais, il y en a toujours. C'est des différents qui te piquent différemment, et c'est très très fatigant. Voilà, ciao.
Oui, bueno. Donc voilà, 6 jours dans la forêt, dont 3 en survivor. Et ça s'est bien passé, je suis toujours là, j'ai plein de piqûres, c'était bien chaud, mais je suis vraiment bien bien content. Muchas gracias, amigos. Muchas gracias. De... Olio. No...